Et oui, après la victoire de la France 43-31 contre les All Blacks. Les All Blacks définitivement. Oh, hop hop, Fredo Michelaire alors. Que pensez-vous? Bonjour, bonjour. Que pensez-vous de ce match? J'ai ici le Fredo Michelaire avec moi. Que pensez-vous de ce match alors? Bah, je pense que mon essai et mes deux pénalités ont fait beaucoup de bien à l'équipe. Bon, là, comme vous le voyez, je pars. Et puis là, je suis à passer à Maurice. Maurice qui fonce dans le tas, il se fait plaquer par les All Blacks. On l'a un cafouillage, ensuite il y a une bonne combinaison avec Dominici qui part tout seul. Bon, il a très bien joué le coup, bon coup de hanche. Ensuite il fonce, il se fait plaquer juste avant la ligne. Hop, il y a Maurice qui récupère la balle pour me la donner. Et là je fonce. Et là bah bien sûr je plaque. Là j'ai remercié le public et il y a Philippe qui m'a remercié pour avoir enregistré Plus belle la vie. Et bah on a bien joué et puis on va se préparer pour la finale. Vous jouez contre qui contre la finale? Parce que moi je suis pas trop au courant quoi. Ah bah ça je ne le sais pas encore mais je vais le savoir bientôt. D'accord, ok, bah merci pour cette interview. Merci. Fredo Michelaire. Oui, c'est Pierre Savioc en direct de l'entraînement à huis clos du Stade français. Regardez Bernard, la fenêtre en train de coacher ses joueurs. Nous sommes les seuls caméramans ici. C'est magnifique. Venez, approchez, approchez. Voilà, regardez-moi cet entraîneur. Il est formidable. La fenêtre est le meilleur entraîneur. Ouh, en plus, il y a Fredo Michelaire avec son coéquipier Clément Point 2, je sais plus quoi. C'est un touriste français. Voilà, regardez-moi ça, c'est ce coach là. C'est une nette. Je me tais tellement que c'est beau. On est en finale. On fait du jeu. On n'est pas là pour faire cette finale. Le public est fatigué. Ça frappe, ça passe, ça casse. Pas de problème, ok? Bon, Philippe, 38 ans. On te connaît, ils te connaissent. Bon, si je vais les bouffer. Bon, les deux derniers matchs, t'as eu des moufles. Allez, t'as eu des moufles. T'as laissé filer le ballon, t'as des moufles. Bon, tirer ces moufles. Et bien respecter ton ami. Tu te raseras la semaine prochaine. Ok. Et toujours, évite que la main. J'ai une chose à dire. Atik, atik, atik. Atik. Atik, atik, atik. Ouais. Bon, allez, prenez les moyens du lapin. Allez. C'est une bonne idée. Dernière petite coupure dans cette émission. On se retrouve dans quelques instants après les rendez-vous de Koto TV. Ce soir à 20h50 sur Koto TV. Le film aux 7 Oscars. Ah oh, maman, je ferais bien une petite guitare. Hein. La guitare. Dans le frigo, avec Guy Bernaz. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. Guy Pierre. Et Simon, faites entrer la vachette. Guy Lustre. Et l'Oscar du meilleur acteur. Oh, doucement, malheureux, allez, Simon. Guy Roux. Comme promis, on se dirige tout de suite vers Tiananmen pour le verdict des Jeux Olympiques 2014. Ah, on me dit qu'on a encore un petit peu de temps, donc on va pouvoir regarder le dossier d'Annecy, soyons un petit peu chauvin, en attendant ce verdict. Thank you.
lentement tu tournais les pages. Lente puissance qui crée ta cage. Tu nous gardais toutes ces images. Devant les montagnes, les mirages du lac Dance, Annecy, Hambourg. Et ces étranges reflets de jade, comme y'en a pas ici. Tout de suite à Tiananmen pour savoir si enfin la France va obtenir ses jeux après l'échec de ces dernières années avec Mulhouse, Reims, Rouen et le Cap d'Agde. Réponse tout de suite. Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue au résultat des JO comme vous l'aviez tous attendu. Nous avons ici dans cette enveloppe les résultats du vainqueur pour les JO 2014. Je vais donc regarder qui sera le vainqueur. And the winner is the Wonderwood is on the gagnant est. Andy 2014. Non, c'est qui? Dernière séquence de l'émission, la page consacrée.